piste, puisque la Roumanie a eu des problèmes, est en piste vraiment terminée dans les trois premiers. Mais celle-là, voilà. On l'attendait, hein? Championne du monde. Certains. Ilia Podkopayeva. Certains se souviendront de l'avoir déjà vue à Montréal compétitionner. Yep. Regardez bien. Bien précis, peut-être le demi-tour un peu tôt. Regardez ici l'extension complète. Attention, c'est bien fait aussi. Hein? Oui. Là, bon, une bonne explosion, l'extension complète du corps. Jusqu'à maintenant, très bel exercice. Oh, c'est et beau! Voilà, ça, la championne du monde à l'ensemble des appareils. Oui, oui, en 1995 à Sabae, au Japon. Excellent. Elle est réputée pour avoir au bar une excellente ligne, une très très belle ligne, surtout avec des tenues de jambes et pointes de pied impeccables. On peut le voir ici. À l'ensemble des appareils, donc médaille d'or ne veut pas dire nécessairement qu'elle domine chacun des appareils. Chacun des c'est appareils. Que si on fait le total, on se rend compte que... Hein? Oui, ici l'explosion et la hauteur. C'est au tout début. En d'autres mots, c'est la gymnaste la plus complète. C'est la gymnaste la plus complète au total des quatre engins. Une belle sortie. Oui, oui. On peut voir, on peut apprécier tenue de jambe, pas d'écart et contrôle parfait à la réception. 9,837. C'est même des notes supérieures à sa compatriote Destenko.